She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me caught, I thought she was a... Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max, la chaîne du Japap et du Béret. Ah, nous sommes là, non? Nous les soi-disant bloqueurs pour vous donner les infos sur mu et très dur. Sur mu et très dur. Et très dur. Voici Mim Jaurès, un blogueur, bon, un ancien blogueur du Cameroun. Bon, il a beaucoup d'abonnés là sur YouTube et tout ça là, oui. Avant de m'investir dans le monde de trucs de blog aussi, de Japap de Béret, si là, c'est les gens que moi je suivais, Mim Jaurès, je fais les Franco, vous comprenez un peu, Franco, le nom mignon, oui. Les gens comme ça, là, vous comprenez un peu. Les Mélissa Sanchez, oui, bon, oui. Je suivais même Marie Bibi, oui. Marie Bibi est dans ça avant moi. Vous connaissez Marie Bibi? Voici donc ce Mim Jaurès qui surprend. Je ne sais pas si c'était programmé ou bien il a vraiment surpris Marie Bibi dans l'arrêt bus en France. Oui, en train d'attendre le bus. Oui. Marie Bibi, la toute puissante Marie Bibi, celle qui parle, qui clash même Laura Kamini, oui, qui organise les clashs avec Laura Kamini, avec les Aïcha Kamoise et tout, la toute puissante, est en train, est à l'arrêt bus, en train d'attendre le bus. Oui, regardez ce qui s'est passé, je me reviens. Les gars, j'ai cru apercevoir Marie quelque part là. Voilà, elle est juste là, à l'arrêt du bus. Comme elle fait son intelligente sur Facebook là, je vais pas arriver pour voir un peu. Vous voyez, je vais lui poser 2-3 questions. Je peux un peu, non? Je vais essayer de cacher la caméra, mais bon, elle sait voir ça. Ok. Marie Bibi. Hey, comment? C'est comment, ça va et toi? Tu es ici depuis quand en fait? Je suis là. De 2 juin. Tu fais quoi là? Ah, ça va, non? Je... Attends, avec tout l'arrêt que tu as sur Facebook là, tu attends encore le bus. Pourquoi je devrais pas attendre le bus en non, fait? Non, mais normalement, voilà, tu as été véhiculé. Voilà, je n'ai jamais dit que je t'ai véhiculé sur les réseaux sociaux. Non? Non, mais je suis une personne normale. Quand tu vas payer, on passe que tu as l'argent. Donc, en quoi l'éloquence? Mouf, tu es une occasion. Mouf, tu es une occasion. Bon, ok, bon, attends. En quoi l'éloquence a à voir avec la richesse? Donc, tu sous-entends que un pauvre ne peut pas bien parler français. Attends, bon, tu es une marque, tu es intelligente, non? On fait un petit test, voilà, un petit test. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok. 1 plus 1, combien? 2. 2 plus 2. 4. 4 fois 3. 4 fois 3, 12. 12 fois 12. 12 fois 12, enfin je sais pas. Honnêtement, je suis pas très forte en maths, ni en calcul. Tu fais dans quoi? Mais pose-moi des questions de culture générale. Enfin, les calculs, franchement, honnêtement, je peux prendre ma calculatrice et faire la calcul. Donc, Mozambique. La capitale du Mozambique. Quoi? Mozambique, c'est un pays déjà. Tu es camerounaise, non? Ouais, je suis camerounaise. Faut prendre ta bouche. Okay. Je ne sais pas. En fait, c'est juste ma manière de parler, honnêtement. Donc, maintenant, tu n'as pas vu à l'accent du pays depuis que tu es arrivé à Moi, ça n'a rien à voir avec l'accent. C'est juste que j'aime articuler, tu vois. J'aime comment. Bon, laisse-moi ça. Laisse ça. La capitale de Mozambique, c'est quoi? Je sais pas. La capitale d'Égypte, c'est quoi? Le Caire. Tu n'as pas dit au Caire? Non, mais j'espère bien. Bon, dis-nous, c'est quoi la dernière actualité qui a fait fureur au Cameroun? Je te souviens. La dernière actualité qui a fait fureur sont les nudes. Les nudes de Achille Emana, c'est ça, non? C'est Achille Emana. Je pense que sa femme. Je pense que sa femme a posté ses nudes sur Facebook. Je sais pas quoi. Tu sais que tu filmes quand même, non? Comment ça, je me filme? Ça monte, tu vois, comme si tu savais pas que tu filmes. Attends, depuis tu. Non, mais tu arrêtes ton téléphone, enfin. Pourquoi on te voit même plus trop sur les réseaux sociaux? On me voit plus parce que, gars, c'est chaud. Ben, c'est chaud. À un moment donné, il faut falloir faire le distinguo entre ce pourquoi on est venu en France. Tu vois? Et un peu le distinguo. On a fait le distinguo entre
ce pourquoi on est venu en France. Et tu avais les gros français dans la bouche. C'est pas que c'est le gros français, juste que je suis fait la part des choses. Ah. Ok, je fais le Congo, ça c'est bien. Mais il faut savoir que Facebook a une limite en fait. Si je suis ici en France, c'est pour mes études. Donc je vais mon proche te fâche alors. Et je dois aussi en parallèle faire ce pourquoi je suis là. Mon proche te fâche alors. Non, je suis pas passé, juste je t'explique de manière sérieuse. Bon bref, tu veux quoi? Je veux quoi pour moi? Depuis là, tu me parles, tu veux me ridiculiser, c'est quoi? Vous avez vu, ce qui s'est passé. Vous avez écouté. Regardez d'abord l'apparence physique de... Bon, c'est une petite taille, d'abord une taille économique, oui. C'est le genre Kimi là, bon peut-être elle dépasse un peu Kimi, vous comprenez un peu. Mais c'est le genre là, non. Taille, petite taille économique là. Donc, elle est le genre Coutelina, mais pas Jules, pas Coutelina Label. Vous savez, Coutelina Label, c'est qui même? On avait baptisé qui Coutelina Label? Marcel Kouetche, non. Coutelina Label, oui. Et Jessica Edima, Coutelina la quasiment belle. Donc, elle est à peu près belle, oui. Et Coutelina la bête, c'est Aïcha Campras. Donc, c'est si moi, je mets dans la catégorie de Coutelina la laide. Oui, c'est ça un peu, vous comprenez un peu. Mais c'est que pour moi, ça sort comme ça sort. Je ne sais pas pourquoi. Je suis méchant. Je suis quand même méchant. Arrête d'avoir l'habillement de quelqu'un. Regarde comment quelqu'un est. Wow, wow. Donc, vous allez me surprendre dans la rue et vous pensez que je vais être. Merde. Aïe. Pareil, bébé. Ne savais pas que tu t'es déplacé en bus en Europe. Et Marie Bibi, avec toute l'intelligence qu'elle nous a fait croire qu'elle a là. Bon, elle dit, bon, c'est que non, mathématiques, c'est pas bien pour elle. 12 fois 3, 36, bon, elle n'a pas pu, vous comprenez un peu, elle n'a pas pu. Est-ce que vous avez dit, mais moi je trouve parce que peut-être j'ai déjà regardé ça quelque part et... Et je suis venu dire, mais je vais vous dire que les mathématiques n'étaient pas mon fort à l'école, mais l'arithmétique quand même, il y a. Ouais, ça, c'est pas les mathématiques, ça, c'est l'arithmétique. Ça, c'est élémentaire, c'est le truc élémentaire. Au moins là, oui. Au moins là, nous, on s'en sort quand même. Vous comprenez un peu. C'est de ça qu'il s'agit, oui. Parce que quand on fréquentait, il y avait quand même les techniques de multiplication que nous enseignait, c'est resté. Cette technique-là, c'est resté. Oui. Donc, elle dit non. Pose-moi la question à la culture, imagine la capitale à Mozambique. Elle ne connaît pas. Jusqu'à elle demande si c'est un pays. C'est déjà un pays, là. Le Mozambique, c'est pas un pays. Hey, Marie Bibi. Non, tu as fini avec moi. Le Mozambique, c'est pas un pays. C'est quoi? C'est un continent. Comme le Cameroun, n'est-ce pas? Continent. Oh ben non, le Mozambique, c'est une planète. C'est vrai. Le Mozambique, c'est une planète. Ha! Hey, yes! Ouais. Marie Bibi, non, tu m'as... Non. Tu andèmes. Tu andèmes, Marie Bibi. Yes! Yeah, Marie Bibi, yeah! Tu poses la question sur le Mozambique, c'est un pays. Non, c'est une galaxie. Vraiment. Mozambique, c'est un pays. En tout cas, je ne sais pas si c'était arrangé. Non, je ne crois pas que c'était arrangé. Ou bien que c'était arrangé et ça a mal tourné. Parce que même je reste à... Il t'a mis dans l'ondem, hein? Oui? Il t'a mis dans l'ondem total. Ouais. Jusqu'à dire non, quand elle a vu que non, il t'a trop mis dans le ndem. Sinon, bon, tu vois, je ferme la caméra, on commence à dire non, c'était le ndem total. Le ndem total, il t'a mis dans le ndem. Il t'a exposé, comme on dit là. Il t'a exposé. C'est fini. Ouais, ok. Au Mozambique, c'est une galaxie. C'est pas un pays. Ouais. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo à la famille. Ouais, Marie Bibi, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Beaucoup. Aïe.
Oh, le gens que tu argumentais contre l'or à Kameni, tu dis, la bouche passe. Brrr. Vous savez, quand on partait à la station, on vous achetait, quand vous mettez le camion dans la voiture, on voit comment les chiffres se passent. Brrr, les chiffres là pour montrer la quantité que. C'est comme ça que sa bouche passait. Brrr. Et, maintenant, tu dis la capitale de la Mozambique, tu demandes si. Maintenant, tu demandes la capitale du Mozambique, tu demandes si. Le Mozambique, c'est un pays. Tu vois, si le Mozambique, c'est un pays. Non, ça va. Tu as fini avec la famille. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. Bisous et à sa pointe. Surtout, ne mettez pas les organes. Ne mettez pas les organes. Hein. Marie-Bibi, même tes fans, là, ne mettez pas les organes. C'est chaud. C'est le métal.